Est-ce que Tesh Tegen est actuellement le meilleur gardien du monde? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Tesh Tegen, les gars. Tesh Tegen, gardien emblématique du FC Barcelone. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien sur cette chaîne, nous on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Marc Ter Stegen, les gars, c'est sa 9e année au FC Barcelone. Et du coup, lorsqu'on regarde ses prestations, c'est plus que rassurant. Maintenant, donc, la presse espagnole se pose la question, est-ce que ce n'est pas le meilleur gardien du monde? Moi, je pense que c'est un peu abusé, les gars. Parce que quand tu vois Courtois, quand tu vois ce que Thibaut Courtois fait, c'est monstrueux. Je ne pense même pas que Ter Stegen est plus fort que Mike Maignan. Franchement, je ne pense pas que Ter Stegen est plus fort que Mike Maignan. Parce que lorsque je vois comment Maignan porte le Milan, si ce n'était pas Mike Maignan face au Napoli, Naples serait qualifié. Giroud, lui, Olivier Giroud, lui, ils ont quasiment qualifié le Milan, c'est les gars, pour les demi-finales. Donc, je trouve même pas, je pense même pas que Ter Stegen est plus fort que Mike Maignan. Je ne pense pas. Déjà, s'il n'est pas plus fort que Mike Maignan, ce n'est pas Courtois, ce n'est pas devant Courtois qui sera au top. Moi, je pense que Courtois est vraiment au-dessus de Ter Stegen. Ter Stegen, certes, il est bon, mais moi, je le mets top 5, top 6. Je le mets top 5, top 6. Mais pas parmi le meilleur gardien du monde, tu vois. Il est très fort, il est décisif parfois dans certains matchs. Mais je ne pense pas qu'il est meilleur que Courtois. Pour moi, Courtois est au-dessus de Ter Stegen, les gars. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Est-ce que tu penses que Ter Stegen est meilleur que Thibaut Courtois? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, tu le sais bien si c'est chez nous, on parle de foot. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!